tu as fait ou tu n'as pas fait. Donc, si tu n'as rien fait, pourquoi tu viens donc demander des excuses? Les amis Mbrakatala qui te soutenaient sur Internet, là, ils sont où? Je demande pardon à ma famille. Je demande pardon à ma femme. Je demande pardon à mes enfants. Maintenant, tu demandes pardon. Je croyais que tu étais King Kong. Oh. Ouais. Non, maintenant, tu demandes pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Si tu n'as rien fait, si tu ne connais pas la fille. Pourquoi tu demandes pardon? Lorsque vous finissez de merder, là, vous appelez Dieu. Laissez Dieu en dehors de vos bêtises, là. Il faut laisser Dieu là où il est. Vous êtes là, vous donnez les mots de tête à Dieu. Dès que vous finissez de faire vos bêtises, là, vous mettez le nom de Dieu là-dedans. Oh, Dieu, oh. Tu as fait ou tu n'as pas fait, monsieur le journaliste? Hein? Tu as fait ou tu n'as pas fait? C'est ma question. Donc maintenant, tu connais le nom Malika maintenant. Auparavant, tu ne connaissais pas. Tu ne l'avais jamais vu. Donc maintenant, tu l'as vu. Hein? Pourquoi tu demandes pardon à ta femme maintenant? Tu demandes pardon à tes enfants, pourquoi? Le temps qu'il fallait demander pardon, là, tu joues à l'orgueil. Tu étais trop arrivé. Tu étais monsieur le journaliste. Les Camerounais, tu avais dit quoi? On était jaloux de toi, non? On n'est plus jaloux. On n'est plus jaloux, monsieur le journaliste. Hmm? Tes larmes de crocodile, là, je ne crois pas à ça. Eh oui, le peuple a parlé. Et quand le peuple parle, tout le monde au pas. Allez, dis que j'ai dit. Et puis quoi encore? Donc maintenant, tu connais Malika. Tu connais Malika maintenant. Auparavant, tu es venu nous dire quoi ici? Tu la connaissais pas. C'est une jeune dame que je connais pas. Bla, 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 bla. Tu vis en enfer. Quand vous avez l'habitude de partouzer les enfants des gens là, vous ne vivez pas l'enfer, vous vivez au paradis. On vous a attrapé aujourd'hui, c'est que tu viens l'enfer. C'est juste le commencement, la punition. Oui, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Tu viens pleurer pourquoi? Oh, oh, je demande pardon à ma femme. Je demande pardon à mes enfants. Je demande pardon à ma famille. Hein? Je demande pardon à mes amis. Tes amis avec qui vous avez créé les groupes là où vous envoyez les photos nues des femmes là. Hein? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Les gens sont sortis là. Oh, c'est le mauvais cœur. Le mauvais cœur de quoi? On va lui faire le mauvais cœur sur quoi? On va lui faire le mauvais cœur sur quoi? Ils voulaient vous voir un peu. Ils voulaient nous montrer que oh, le Cameroun, c'est pour eux. Amof! On vous a montré que le Cameroun, là, c'est pas pour vous. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Vous finissez de merder, de chier dans vos propres gueules. Vous venez vous asseoir. Tu demandes pardon? Vous demandez pardon. Il n'y a pas de pardon qui tient. La nudité de la fille, là, ça se déroule sur Internet. Oh, oh. Maintenant, tu la connais. Hein? Quand tu nous narguais là sur Internet, là, tu ne voyais pas. Maintenant, tu viens demander pardon par rapport à quoi? Tu viens demander pardon par rapport à quoi? On est plus jaloux de toi. Hein? On est plus jaloux de toi. Tu nous narguais? Continue toujours à nous narguer, mon père. La question dont je me pose, tu as fait ou tu n'as pas fait? Hein? Tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu viens de nous demander pardon, pourquoi? Vous restez là, vous dites que, wow, wow, wow. Maman, mettez-les en gata. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu viens de demander pardon par rapport à quoi? Tu es venu demander pardon par rapport à quoi? Hein? Si tu ne l'avais pas fait. Tu es venu demander pardon à quoi, monsieur le journaliste? Vous êtes là, vous accusez les petites filles, alors que c'est vous qui faites en sorte que les petites filles-là soient... que les petites filles-là soient envieuses. C'est vous. C'est vous qui détruisez la jeunesse camerounaise. Au dernier nouvel, tu nous as dit quoi? Que on ne te connaissait pas. Que, oh, tu ne connaissais même pas la petite-là. Tu n'avais même jamais vu la petite là. Maintenant, tu viens demander pardon à quoi? Tu viens demander pardon pourquoi? La question que je te pose là maintenant, là, tu as fait ou tu n'as pas fait? Hein? Tu as mis ton bite dans sa bouche ou tu n'as pas mis? Hein? Vous venez, vous prenez les enfants des gens, vous les filmez à leur insu. Vous venez balancer sur Internet et puis vous venez vouloir narguer les gens.
jusqu'à il y a tes crétins d'amis là qui viennent s'asseoir pour dire que ce n'est pas une petite fille. Même si ce n'est pas une petite fille, est-ce qu'on a refusé que vous fassiez vos choses? Vous êtes obligé de filmer. Vous êtes obligé de filmer. Le sexe, c'est un truc qui est normal. C'est normal de faire l'amour. Mais si c'est autorisé alors de filmer une fille et de balancer sur Internet, vous êtes marié, c'est vous qui cherchez les petites filles dehors. Hmm? Vous ne pouvez pas faire tous vos fantasmes là avec vos propres femmes. Ça te coûte quoi d'appeler ta femme au téléphone que bébé vient me retrouver dans mon bureau? On binda nos choses. Ah non, c'est l'enfant de quelqu'un qu'il faut prendre. C'est l'enfant de quelqu'un, oui, qu'il faut filmer. Je demande pardon à ma femme, ma chérie, je te demande pardon. Tu demandes pardon, maintenant tu connais la fille ou tu ne la connais pas. Tu connais Malika ou tu ne la connais pas. Dieu, quand vous finissez de chier dans vos gueules là, vous prenez le nom de Dieu, vous mettez devant. Si c'était moi Dieu, c'est que vous claquez le comme vous prononcez mon nom. Vous avez la chance que peut-être comme il a abandonné la terre là. Il ne vous écoute même pas. Parce que c'était moi, il veut vous gifler comme ça là. Moi ça me gêne même pas qu'on fasse l'amour. Ou peut-être qu'ils fassent les trucs comme ils ont l'habitude de faire là. Mais ce qui me gêne dans ça, c'est qu'ils passent tout le temps à filmer et ils ne montrent pas leur gueule hein. Ils montrent que la face de la fille. Et pour eux, c'est où? Leur face est où? Oh, je demande pardon. Donc, il y a de cela quelques jours, tu nous as dit que tu ne connaissais pas la fille, non? Donc maintenant, tu la connais? Tu la connais maintenant? Tu connais la fille maintenant? Tu la connais? Je pensais que tu la connaissais pas. Tu demandes un pardon à quoi? Pardon pourquoi si tu n'as rien fait? Tu as fait ou tu n'as pas fait? C'est la question dont je me pose. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Dis-nous. Parce que venir demander pardon, ça veut dire que tu as fait. Oh, je demande pardon à ma femme, je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à ceci, je demande pardon à cela. Allez toujours filmer les enfants des gens. Un jour, en filmant comme ça, vous allez voir Colomboma. Oui, vous allez que voir Colomboma qui est en train de prendre votre truc, la mettre dans la bouche. Testez toujours les enfants des autres. Il y a des enfants ici qu'on ne fait pas du mal, hein. En voulant faire du mal à l'enfant de quelqu'un là, ça se retourne sur toi. Non, pian. Et voilà ça. Voilà la preuve vivante. Elle n'est pas la première. Elle n'est ni la première, ni la dernière, ni la... Comment dirais-je ça? Il demande pardon aujourd'hui là. Donnez-lui quelques semaines là. Il va recommencer encore les mêmes bêtises. Oh. Ça te coûte quoi d'appeler ta propre gars? Bébé, viens me trouver dans les bureaux. Tu me bindes ta nga comme tu veux. Ben, ni vu ni connu, on s'en fout. C'est ta vie privée avec ta femme. Mais vous prenez nos petites soeurs pour faire vos fantasmes bizarres, vos patous bizarres, et vous venez demander pardon. Pardon de quoi? Quand l'histoire a commencé, si le mec là était un mec bien, dès le départ, il devait y avoir demandé pardon. Moi, j'ai commencé à suspecter le mec. Quand il est venu s'asseoir à la télévision, on veut lui poser des questions, il répond avec un ton arrogant, comme s'il valait mieux que tout le monde. Hein? Il pouvait même tuer l'histoire, c'est là comme ça. Là. Le simple fait qu'il venait à la télévision et qu'il disait que ouais, j'en suis navré, franchement, moi je ne sais même pas ce qui s'est passé, je suis désolé, et qu'il faisait tout pour essayer moins de parler à la fille, de retrouver les gens qui ont posté la vidéo là. Parce que vous avez envoyé dans votre groupe. Et quelqu'un a eu ton macabre là-bas, il a balancé. Pap, il a balancé ça sur Internet. Que assez! Faites ça aux enfants des gens parce qu'on ne va pas faire à vos enfants. Tout ce que vous faites ici-bas, ça se paye. Tu penses faire du mal à l'enfant de quelqu'un là? Gars, regarde bien ton derrière. Regarde bien ton derrière. Ce que tu fais à l'enfant de quelqu'un aujourd'hui, ça va retourner sur ton propre enfant. Kowo, je demande pardon. Ah, larme de crocodile. Il fallait aussi dire que c'est le diable. Quand tu prenais ton plaisir, là, tu ne pensais pas à Dieu. Maintenant, là, quand ton plaisir est fini, maintenant, c'est le désespoir, vous pensez à Dieu. Franchement, ce Dieu-là, il a beaucoup à faire avec les Africains. N'importe quoi. Oh, que Dieu me pardonne. Oh, que les gens me pardonnent. Mais qui va te pardonner? Je n'ai rien à te pardonner. Continue toujours à filmer. Et qu'un jour, one by one, un jour, vous allez encore faire ça avec l'enfant de quelqu'un. C'est le bon mac que vous allez voir sur vos téléphones en train de vous tailler la pipe.
n'importe quoi. Testez toujours les enfants des gens. Il faut toujours tester les enfants des gens. Vous allez voir. Kowo, je demande pardon. Tu viens plonger maintenant. Au bout de combien de semaines? Au bout de deux, tu viens plonger au bout de presque deux semaines. Tu plonges pourquoi? Tu vous pensez que vous êtes impuni, non? Que le Cameroun vous appartient, non? Hein? C'est ce que toi tu pensais dans ta tête? Que je vous pardonne. Oh, il dit qu'il demande pardon à ses amis. Maman. Pardon, Malika. Oh, dès le jour, le premier jour, là, tu pouvais bien tuer cette histoire-là. Pour les gens, comment on a dit que. Hein, parce qu'on l'en voulait. On avait demandé d'aller faire une patouze et de filmer. Personne ne l'en veut. Que les gens arrêtent de croire dans leur tête qu'on l'en veut. Qui l'en veut? Qui l'en veut? Attends, mais quelqu'un veut s'asseoir dans son bureau? Il a toutes ses facultés mentales. Il prend le téléphone. Il se filme. Il balance dans l'autre groupe. Et quelqu'un va prendre ça dans le groupe pour balancer ça sur Internet. On dit qu'on l'en veut. On l'en veut sur quoi? On l'en veut par rapport à quoi? Dites-moi. De vous à moi. On l'en veut par rapport à quoi? Dites-moi. C'est quelqu'un qui l'avait demandé d'enregistrer. C'est quelqu'un qui t'avait demandé que ça se passe dans son bureau. C'est quelqu'un qui avait demandé que enlève ton pantalon et mette ta bite dans la bouche de la fille là. C'est quelqu'un? C'est moi? C'est vous? Quand il s'entraîne, il prend son mounyenga là. Il ne pensait pas à Dieu. C'est maintenant qu'il vient penser à Dieu. Oh, pardonne-moi. En tout cas, vous allez voir. On va vous afficher comme ça, one by one. One by one. On va vous afficher comme ça. Oh, que Dieu me pardonne, que mon épouse me pardonne, que ceci me pardonne. Prenez les enfants des gens comme si les enfants des gens étaient vos esclaves. On va vous traiter. J'ai dit, je répète encore, on va vous faire ça vert. Et ça soit là, oh, oh Seigneur, quand vous finissez de faire du mal, vous venez mettre au nom du Seigneur. Mouf, un jour en prononçant même le nom du Seigneur, là, que le Seigneur fasse en sorte que vous mordez même votre langue. Laissez l'enfant de quelqu'un tranquille. Oh Dieu, pardonne-moi. Laissez Dieu tranquille là où il est. Parce que quand vous péchez là, vous ne pensez pas à Dieu. N'importe quoi. Maintenant, quand il faut demander maintenant la rédemption, là vous parlez, oh Dieu, Dieu, mof. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Maintenant, tu connais. Hein? Donc maintenant, tu connais le nom. Tu connais le nom, Malika? Tu connais? Je pensais que tu ne connaissais pas. Ça a cuit sur toi. Ça n'a même pas encore cuit. C'est juste le commencement. Tu nous montrais pas. Jusqu'à tu nous faisais des petites vidéos. Là où tu nous naguais. Viens encore nous naguer. Viens nous naguer. Oh, les gens, je vois les idiotes. Et les idiots qui disent courage. Courage sur quoi? Courage sur quoi? Hein? Regardez A. Kelly. On l'a mis en prison. Non? Il est qui par rapport à A. Kelly? Il est qui par rapport à qui? Il est qui par rapport à Michael Jackson qu'on l'a accusé, on a failli le mettre en... Il est parti faire la cellule. Il est qui? C'est toujours qu'en Afrique, dès qu'on te fait du mal, on prend la victime, on rend la victime coupable. Et le coupable, lui, il est vu comme un seigneur. Mof! Allez chercher les enfants des gens. Continuez à chercher les enfants des gens. Vous allez voir... Qu'elle soit petite, qu'elle ne soit pas petite, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que comment te vient le courage de filmer? De filmer? Un, d'abord, tu n'as même pas respecté ta femme. De deux, tu trompes ta femme et toi-même encore, tu prends encore un bâton pour t'abattre avec. Il faut être bête! Il faut être bête! Tu es trop bête! Tu es idiot! Parce que tu ne peux pas faire ce genre de choses jusqu'à tu qu'il y ait même des preuves. Vous n'avez pas les chambres d'hôtel? Hein? Si en mettant que ton assistant entrait dans ton bureau, il te trouvait dans ce genre d'état. Hein? Il te trouvait en action. Tu aurais traumatisé ses yeux? Tu aurais traumatisé ses yeux? Venez brutaliser nos enfants, nos petites soeurs. Maintenant, vous allez la soeur, demain, pardon. Je demande pardon. Je demande pardon à ma femme. Quand tu tentes de prendre ton mounyenga là, tu avais pensé à ta femme. Tu dis que, ah oui, c'est bon. C'est sucré.
Oh, elle est bonne. Donc maintenant, tu connais. Donc maintenant, quand tu prenais ton mouniengala, tu penses à ta femme. Maman, les filles au Cameroun sont même courageuses. Parce que c'était moi, elle te quittait. Si c'était moi, là, d'abord que tu as accepté, d'abord que tu es affreusement laid. Quand ça ne suffisait pas, tu vas encore me tromper avec une belle petite fille. Mof! Je te quitte. Je te quitte. Mon problème, ce n'est même pas. Parce que quand tu regardes, il y a les filles comme ça, je vais vous parler. Elle est un peu comme moi, c'est-à-dire la petite là. Elle est un peu comme moi. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens qui ne prennent pas le poids. Qui sont minces. Elles sont de nature mince. Elles ne vieillissent pas. Elles sont majeures. Mais tu vas les voir toujours comme des petites filles. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis un peu de ce genre-là que bon. Il y a des moments, quand j'étais encore plus jeune, j'étais à majeure, mais si tu me voyais, tu avais l'impression de voir une petite gamine de 12 ans. Il y a des gens comme ça. Mon problème, ce n'est même pas qu'il a fait. Mon problème, c'est que tu es conscient que tu es un journaliste. Que tu as des enfants. Tu es conscient que tu es marié. Tu es conscient qu'il y a beaucoup de monde derrière toi. Tu es conscient que tu as des amis célèbres. Alors, tu n'as pas intérêt à venir salir l'image des gens. À salir même ton image. Les gens font ça, ils se cachent même. Toi, tu vas faire ça jusqu'à tu filmes, vous filmez même. Où? Dans ton bureau. Et puis les gens disent que c'est un montage. On le jalouse. Qui le jalouse? Hein? Qui le jalouse? On va le jalouser par rapport à quoi? Pour jalouser une personne, il faut que la personne te dépasse. Même si la personne me dépasse, je ne suis pas de nature, je ne suis pas jalouse de la vie de qui que ce soit. Le peu que j'ai, j'assume le peu que j'ai. J'assume le peu que j'ai. Mais quand on voit l'injustice et qu'on va en parler, les gens se mettent là sur la toile en disant que, ah non, c'est qu'on est jaloux ou on est jalouse de lui. Jalouse de quoi? Jalouse sur quoi? Par rapport à quoi? J'en ai rien à branler. D'abord que, hey, moi d'abord je suis très orgueilleuse. Ah ben oui, tu me fais pas chier, tu me fais chier, je t'envoie bouler carrément. Tu t'envoies bouler carrément. Moi, ce qui me gêne, c'est que si le mec était venu dès le départ, il était venu s'excuser, dire, ben voilà, je ne sais pas comment ça a fuité et tout, venu même mentir, comme il est en train de mentir là maintenant, là, ça n'a plus de valeur dans mes yeux. Il n'y a pas de pardon qui tient. Il doit être poursuivi en justice. Et la justice doit être équitable. Oui, pour que ça serve de leçon à ses amis. Et s'il veut vraiment être pardonné là, il faut qu'il dénonce aussi ses amis. Pour que ses amis ne fassent plus ce que lui a eu à faire. Donc son pardon là n'a pas lieu d'être s'il ne dénonce pas tout son gros WhatsApp. Ça c'est mon humble avis. Ça c'est mon humble avis. Hein. Après le reste, moi je m'en fous. Hein. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, non? Hugo, moi je suis en train de parler là. Hugo, tu baisses dans ton mon cœur. Chérie, tu baisses d'un ton, ok? Je suis en train de faire mon direct. Donc, bref, c'est ce que j'avais à dire. Vous savez que moi, je ne dis pas trop, non? Je profite aussi pour me reposer. Je nage bien. Je dors bien. C'est bientôt les vacances, là. Oui, ils vont partir chez les grands-parents. Moi, je veux m'asseoir, là. Je veux bien profiter. Je veux une joker. Eh oui, je veux bien une joker. Venez vous asseoir là, venez dire que courage. Courage à quoi? L'âme de crocodile, là, moi, j'en veux pas. Tu veux qu'on te pardonne? Dénonce tous tes amis là. Oui. Là, en ce moment, il veut comprendre que oui, il s'est repenti, il ne veut plus que ça se repasse. En fait, que ça recommence. En gros, il ne veut plus que ça se. Que les jeunes filles se retrouvent dans ce genre de situation. Là, je veux comprendre que ton pardon est sincère. Mais tu crois que c'est en pleurant que ton cœur est sincère? Ah non. Ah non, 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 non. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non.
partez pas violenter les fesses de mes petites soeurs. Vous venez vous asseoir, venez pleurnicher devant les gens. Vous pleurnichez quoi devant les gens? Quand tu tentes de prendre ton mounienge là-bas, tu te contentes, non? Il est l'heure de payer l'addition. Tu vas payer l'addition, mon frère. J'ai dit ça et puis c'est tout. Le type là doit être condamné. Il doit être jugé et condamné. Il doit payer. Il doit servir d'exemple. Les gens vont s'asseoir là. Ouais, là. Venez aussi dire que je suis jalouse. Venez dire que moi, je suis jalouse. Que Sopi, je suis jalouse. Jalouse de quoi? De qui? Moi, je pars partout. Si aujourd'hui, là, il décide qu'il va aller aux États-Unis, je pars. Si il dit qu'il va aller dans les pays arabes, là, je prends mon billet, je pars. Sans visa. Oui. Donc, je vais être jalouse de quoi? Hein? Je vis dans une maison climatisée, je vais être jalouse de quoi? Hein? Je vais nager, j'ai ma petite piscine là. J'ai quoi? Je vais être jalouse de quoi? De qui? Parce qu'on dit qu'arrêter de vendre le rêve à nos petites soeurs, on est jalouse. Vous allez profiter de la pauvreté de l'Afrique pour faire n'importe quoi à vos petites soeurs. Aux filles même qui ont l'âge de vos filles. Il faut comprendre les commentaires. Maman, il faut comprendre les commentaires. Maman, une fois, là, j'étais là avec les groupes d'amis là. Ils disent que non, cette petite-là, j'ai fait la patouse. Et ils ont les trucs là dans leur tête là. Tu vois, tu les écoutes, tu m'as que mais. Est-ce qu'ils savent qu'ils parlent d'une femme comme toi devant toi, en face de toi? Jusqu'à ils se prennent les photos, ils envoient. Hein? Regarde, elle est bonne, non? Elle est ceci, non? Tu la trouves comment? Hein? Elle marche à mes pieds. Elle fait ce que je veux. Pour donner combien? Espèce de... Vous êtes pauvre en esprit. Malgré tout votre argent, c'est l'argent que vous avez là. Vous êtes pauvre en esprit. Pauvre en esprit, je dis et je répète. Donc, sur ce, allez vous faire foutre. J'en ai rien à carrer avec les gens comme vous là. Vous ne valez rien. Vous ne servez à rien. Partez vous profiter. Moi, je ne peux pas profiter de la naïveté de quelqu'un pour lui faire du mal. Ça veut dire que je suis plus pauvre en esprit que lui. Je ne peux pas profiter de la pauvreté de quelqu'un pour pouvoir aller imposer mes fantasmes bizarres. Pourquoi vous ne faites pas vos fantasmes ici en bain? Il y a plein de putes ici, non? Vous partez les puits, vous partez les payer, vous faites tous vos sales besoins. Vous partez faire tous vos sales besoins là-bas, ils vont accepter. Vous partez en Afrique pour aller donner, distribuer les maladies. Vous voyez les distributeurs automatiques là. Hein? Vous avez fini. Vous partez en Afrique maintenant, allez tuer l'avenir de nos petites soeurs, de l'avenir de nos filles. Vous venez vous asseoir, vous venez en disant qu'on ne doit pas vous parler. N'importe quoi. Vous prenez toutes vos maladies là que vous avez accumulées ici en Bain. Vous partez verser ça en Afrique, nawa. Et quand vous parlez, vous dites qu'on est jaloux. Jaloux de qui? De quoi? À qui? Allez vous faire foutre autant que vous êtes. Je vous encule, je vous emmerde. Merde. C'est ça que... Jalousie. Jalousie sur quoi? Sur quoi? Avec vous, je vis. Sans vous, je vis. Venez vous asseoir là. Il faut voir le laideron là qui était dans son lit là. Hein? Hein? Le désespoir de la mort qui était dans son lit là. Oui, je suis un pédophile. Oui. Quand tu vois le gars là, il n'est même plus laid que la mort. Plus laid que la mort. Il est plus laid que la mort. Venez s'asseoir. Vous d'entre vous, vous faites ça, non? Oui, moi-même, je le fais. Plus laid que toi, il n'y en a pas, mon frère. Tu viens t'asseoir, tu viens consommer les bêtises. Alors que, quand on te voit là, même la mort t'a refusé. Vous voyez le désespoir rempli, il vient s'asseoir. Jusqu'à s'asseoir sur son lit, tu vois les lèvres comme ça là. Hein? On dirait les lèvres du cul du chimpanzé. Il vient s'asseoir, il vient parler, il vient dénigrer les gens. Tu dénigres qui? Tu dénigres la femme que tu peux accoucher une femme, tu peux accoucher un enfant, tu peux enfanter. Et lorsqu'on veut parler, on dit que wow, wow, elles aiment ça. Elles aiment ça, elles aiment ça. Même si elles aiment ça, quel est votre problème? On vous a envoyé d'aller les chercher? Ou vous voulez tout mépriser la femme? Vous méprisez qui? Quoi? Vous ne valez rien. Quelqu'un n'a pas le droit de mépriser une femme devant moi. Tu méprises une femme devant moi, je t'insulte. Un homme qui méprise une femme devant moi, mais pour moi, il mérite la mort. Oui, je suis catégorie là-dessus. Tu méprises une femme devant moi, je ne te regarde même pas. Je m'en fous.
complètement de toi. C'est-à-dire que je ne te gère plus. Si je disais même bonjour, même ton bonjour, il fait comme si tu étais mort dans ma tête. Venez vous asseoir, venez. Vous voyez que les gens ont commencé à insulter la petite, rabaisser la petite. Oh, parlez ceci, parlez cela. Oh, c'est elle qui a voulu, elle a voulu, elle a fait ceci, elle a fait cela. Hein? Pourquoi vous ne l'avez pas demandé qu'elle soit jeune avant de faire vos bêtises là que vous avez faites avec elle? Jusqu'à vous filmer même. Tu as dit qu'elle est bonne, hein? N'importe quoi. Tes larmes de crocodile, on n'en a rien à carrer. Tu dois être condamné. On va te condamner. Tu dois aller faire l'ongata. Prochainement encore, on va te donner que... Même si c'est moi, Tanga, moi, j'encourageais pour qu'on t'envoie l'ongata. Oui, pour la trahison là, que tu as fait, Tanga. Les gens disent que prier pour moi, hein? Prier pour sa femme. Prier quoi pour sa femme? Moi, sa femme, là, c'est moi-même qui devais l'encourager que va l'ongata. Qui? Je soutiens quoi, les bêtises? Je soutiens quoi? Hein, d'abord que tu finis par me tromper. Hein? En plus, je vois la petite là, elle est encore plus belle que moi, plus jeune que moi. Mof! C'est moi encore qui vais aller voir le procureur, que monsieur le procureur, mettez-lui en prison. Oui. Mettez-lui. Mof! Vous avez vu que sur mon village, c'est écrit Simon Babo? Je ne suis pas Simon Babo qui est tranquille. Hein? Quand son mari va chercher une fille qui a l'âge de sa fille, je ne suis pas Simone. Un homme ne me fait pas ça. Tu me fais ça, il te fait payer ça fois 20. Quand on vient s'asseoir, tu parles. Excusez-moi, désolé. Ma robe là. Mais... quand même, ça, les gens vont dire oh, elle a fait. Elle a fermé. Je ne suis pas galant. C'est ça, quand même, j'ai quand même réussi à la fermer. N'importe quoi. Oh, il faut pardonner. Pardonne quoi? Je ne pardonne rien. Le gars, là, mérite la prison. C'est la prison qui mérite. Et il va aller en gata. N'importe quoi. Oh, oh, il faut le pardonner. Il faut le pardonner pourquoi? Quand il était en train de prendre son mounienga là, il avait pensé à sa femme. Il avait pensé à l'avenir de la fille. Il était content, non? Il faut aussi qu'il, quand il part en prison, là, qu'il soit content de la prison. C'est tout. Oui. Il veut le pardon. Qu'il dénonce tous ses amis. Il veut le pardon des Camerounais. Qu'il dénonce tout. C'est des mamans, pardon, ma femme. Il faut que je cherche même comment il tente de nous naguer ici, là. Tu viens pour nous naguer. Viens nous naguer. Viens nous naguer. Continue toujours à nous naguer. N'importe quoi. Parce que... C'est lui qui a appelé. Jusqu'à même mathématiques. Bien fait pour toi. Oh. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'il vient s'asseoir. Il vient prendre les gens comme si on était des. Comme si dans son visage, là, c'était écrit. Où il avait vu jambon, là, tu vois. Il vient s'asseoir, il vient carrément. Limite, il dénigre la fille, je ne la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Maintenant, puisque tu ne la connais pas, alors tu viens demander pardon pourquoi? Tu as fait ou tu n'as pas fait? C'est ma question. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Pourquoi tu viens demander pardon? Parce que toi-même, tu es conscient que tu as fait. Tu es conscient que tu connais la fille là. Tu es conscient que tu as fait des menaces. Donc, moi je m'en fous des gens qui ont venu s'asseoir là que wow, il faut pardonner. Il a demandé pardon. Pardon là de quoi? Que son pardon là, il garde ça pour lui. Il va demander ça à Dieu là-bas. Lui et Dieu là, ils vont s'arranger là-bas. Il a dit qu'on ne juge pas. Je juge! Oui! L'enfer c'est ici sur terre. Le paradis c'est ici, ici sur cette terre. Parce qu'il est inadmissible qu'un homme passe son temps à rabaisser. C'est comme ça que vous voyez que les hommes ne nous respectent pas ici dehors. À cause de ces maboules là. À cause de ces trucs. Ah, ma chérie, tu vis? Tu m'as fui, non? Coucou, Fallon, comment vas-tu? Ah, Miss, tu vis, maman? Tu veux que je prononce ton nom? Bon, Clarisse, c'est comment alors, maman? Les Bassala qui soutenaient le gars, là, ils sont où? Vous avez pris honte, non? Il y a même une fille Bassala, elle et moi, on a failli se prendre la tête. C'est un piège. Je lui ai demandé que si le gars a ta fille, tu devais réagir comme ça.
Moi, mon problème, c'est même pas le truc que oh, fait ceci. C'est même pas mon problème. Mon problème, c'est que comment vous pouvez faire ce genre de choses jusqu'à filmer et aller balancer dans vos histoires de groupe. Et plus tard, quand ça vient se retrouver sur la toile, très bien. Très bien, et toi? Attends un peu. Ça, c'est quoi ça? Très bien. Merci, et toi? Non, ça va, Miss. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ton frère Bassa a chié sur lui. Oui. Il a bien chié sur lui. Il vient demander pardon, pourquoi? Donc maintenant, il connaît Malika, hein? Tu connais Malika? Je savais que tu ne connaissais pas Malika, hein? Hein? Donc maintenant, tu connais Malika? Tu la connais? Moi, je pensais que tu la connaissais pas. Donc maintenant, tu la connais? Tu la connais maintenant? Ça n'a pas encore cuit sur toi. Ça va cuit sur toi. Le tout, c'est un tout. C'est un tout. C'est l'immunité. Vraiment, tu vois les sales commentaires sur Internet. C'est pour ça que Dieu a abandonné l'Afrique. Parce que les Africains sont prêts à aller... Ils vénèrent même les propres assassins. Oui. Donc, on va être jalouse de... On va être jaloux de quoi? Sérieux, un coup monté. On dit que son ami vit au Canada. Il n'a pas faim. Au moins, il a dit pardon. Pardon, dès que l'histoire est sortie. Lui, il est venu jouer les gros bras. Les gros dos. Oui, l'enfant de Troy. J'ai dit prochainement, là, quand vous allez faire ça à l'enfant de Troy, vous allez voir que c'est le serpent anaconda qui est en train de faire, de prendre votre bêta dans la bouche. Vous allez comprendre. À ce moment-là, vous n'allez plus faire ça aux enfants des gens. Vous allez voir que c'est anaconda qui est en train de chanter au micro. Faites ça aux enfants des gens quand vous parlez, oh, on est jalouse. Oh, on est ceci. Oh, c'est monté, c'est descendu. Et tu veux voir toutes les femmes qui partent te supporter. Quand tu vois le gars là, laid, il est laid. Maman, même si, quand un homme a l'argent qui n'est pas beau, moi je ne sais pas aller vers lui. Il faut qu'il ait quelque chose qui attire. Impoli, il est mal impoli. La politesse même, il n'a pas. Lorsqu'on est même laid, on apprend à être gentil. On apprend à être compréhensif. Mais c'est toi ce qui est laid. C'est toi ce qui vient narguer les gens. C'est toi ce que tu sais que tu n'as pas tous tes membres. Bon, bref, que Dieu me pardonne. Je ne veux pas entrer dans ce sujet-là. Mais j'aurais voulu que dès le départ, que tu dises que, ouais, j'en suis navré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Basta, tu me trouves même une excuse en tant que journaliste. Mais tu as voulu un peu jouer un peu, vouloir nous montrer que il a fallu que les blogueuses, tout le monde s'aimait. Que maintenant, tu viens t'asseoir, tu viens pleurer. Le diable, quand ton ouel était dans la bouche de la fille, là, à ce moment-là, tu ne pensais pas à Jésus-Christ. Tu ne pensais pas à Jésus de Nazareth. Là. Non, tu ne pensais pas à Dieu. Hein? Maintenant, quand il y a eu les retombées, maintenant, tu viens t'asseoir et tu dis, oh Dieu, là, il faut laisser là où il est. Laissez Dieu là où il est. Ne partez pas faire vos bêtises là et puis vous prêtez. On en a marre de vous. Bon, mes chers amis, vous savez que moi, je ne traîne plus. Moi, ce qu'il dit, c'est qu'on doit juger. Il doit être jugé et condamné. La sentence, j'attends la sentence. J'attends, oui, prochainement encore. Vous, les hommes-là, vous n'allez plus avoir le courage d'aller publier la nudité d'une femme. Oui, et c'est comme ça. Là, il a sa femme. Tu as ta femme, on dit à ta femme que voilà ce que j'aime. Tu appelles ton gars que ma chérie, viens me retrouver dans le bureau. Tu lui donnes ton truc, elle chante au micro, c'est pas ta femme. Mais il faut faire ça aux enfants des gens. N'importe quoi. Vous cachez vos femmes à la maison. Vous les gardez bien. Mais vous prenez nos petites soeurs, nos enfants. Vous faites ce que vous voulez. N'importe quoi. C'est le moment de payer l'addition. Et elle est très salée. Et vous allez bien la payer. Très bien la payer. Bon, sur ce, je tire ma révérence. Bon samedi. Bon week-end. Au revoir.